Regardez le beau bouquet qu'il m'a offert, le papa de mon fils. Alors vu qu'il est né le 29, notre bébé, eh ben, j'ai eu droit à 29 roses. Ça sent trop bon dans la chambre. Et franchement, c'est un bouquet magnifique. Il est trop trop beau. Il m'a dit c'est de ma part et de celle de ton fils. Cœur quand on voit nos familles qui pensent à nous comme ça. Bon, ça c'était le premier jour, deuxième jour. Et là, on a reçu la dernière livraison. Oh là 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 là! C'est génial. Écoutez ce qu'elle me dit. Elle est en train d'allaiter notre fils et je parle avec elle. Mais apparemment, j'aurais une tête qui fait rire. Donc elle est en fou rire. Et elle se concentre à mort. Tu m'as dit quoi? Nourrir quoi? Elle veut que j'aille, je m'en aille. Dans le couloir. Le temps que tu allaites ? J'ai trop mal au ventre. Je vous promets, elle a du mal à se remettre de son accouchement. Tous les jours, elle. Franchement, tous les jours, elle est là en train de galérer pour la douleur. Je veux pas. Et du coup, moi, j'essaye de la distraire, j'essaye de faire un peu le clown. Mais je peux pas. Mais apparemment, ça marche, mais ça lui fait mal. Je regarde mon fils. Et... Bon, voilà, regarde-le. Je vous promets qu'elle est comme ça. Elle a son fils dans les bras d'un côté et l'autre main elle est comme ça. Je ne peux pas te voir. Mais bon, vaut mieux rigoler, ça. Vaut mieux rigoler, ça lève le stress, ça lève toutes les zones négatives. Mais je comprends pas. Je la fais rire, elle me dit aïe, aïe, arrête. Il y a quelque chose qu'elle va accoucher. Tout ça pour pouvoir rigoler. Mais c'est quoi que t'as fait rire dans tout ça au fait? Oui, je sais très bien que là, si c'est le dernier faux rire que je vais avoir, et tout qui va s'ouvrir en moi, alors arrête. Ouais, tu as raison, c'est dangereux. Ça y est, j'arrête. Mais vous regardez pas? J'ai jamais vu ça, on peut pas se regarder. Parce que quand elle me regarde, elle rigole. De la bombe, tant mieux. Hein. Je préfère voir des rires que des pleurs et de l'angoisse qu'on m'en a traversé. L'aide de ma mère, c'est elle qui me provoque. J'ai juré que j'allais partir m'arrêter. Elle m'a dit attends, viens deux secondes. Elle se régale, elle est bien. Ah, c'est, je sais, c'est quoi qui a fait rire. C'est qu'à un moment, elle avait soif pendant qu'elle était en train d'allaiter. Donc, du coup, je lui ai donné à boire. Et, je sais pas, j'ai dit toi, tu allaites mon fils et moi, je te donne à boire. Voilà, à partir de là. Elle partit en fou rire, pourquoi? Non, tu voulais faire une photo. Tu as voulu faire une photo et tu ne peux pas faire voir comme il fallait du coup. Parce que ah, c'est vrai. Ça partait en travers de peu, mon fils il boit vol vie fraise. Ben, je vous présente ma nouvelle routine beauté. Voilà. Pour celles qui comprendront. En fait, ça c'est appliqué après avoir donné la tétée. Vous le mettez sur vos seins. Voilà. Et c'est censé apaiser un peu les douleurs. Parce que je ne vous raconte pas les douleurs que j'ai. Mais ça baisse grâce à vous toutes. D'ailleurs, merci. Puisque je ne connaissais pas du tout cette crème ni cette marque. Là, j'ai eu que la petite pommade qui était disponible en pharmacie. Mais je compte bien aller trouver la comme la plus grosse. Parce que j'ai très, 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 très mal. Et pourtant, je suis qu'au début. Mais ça va bien m'aider à soulager. Donc voilà. Pas très, très glamour. Mais en tout cas, très efficace et très utile. Bon, je sais que vous attendiez de mes nouvelles un petit peu depuis hier déjà, puisque je devais vous raconter un petit peu comment s'était passé l'accouchement, etc. Mais franchement, c'est ma vie qui a chamboulé entièrement. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne plus avoir le temps de rien, alors que je suis dans une chambre d'hôpital, enfin que je sors pas, je fais pas d'activités de fou qui me font perdre du temps. Au contraire, mais en fait, je mets tellement toute mon énergie à essayer d'apprendre, de comprendre mon fils, c'est nouveau, il a 48 heures seulement, je découvre tout, même s'il y a des trucs qui de base paraissent ben, logiques et sur lesquels on ne devrait même pas se poser de questions, ben, en fait non, puisque j'ai envie de tout bien comprendre, d'essayer de faire au mieux, et en fait, ça me prend tout mon temps, ça me prend tout mon temps, à tel point que je ne peux voilà, même pas me poser un petit peu, même parler avec mes proches, c'est déconnexion totale, gros gros chamboulement de vie, vraiment, après c'est que du kiff, mais c'est... Je m'attendais pas à un aussi gros chamboulement dans ma vie. Voilà, je savais que ça allait être quelque chose d'incroyable,
Et c'est incroyable, mais ça chamboule complètement toute ma vie. Toute ma vie, mes habitudes, ma routine de tous les jours. Là, pour le coup, c'est découverte, apprentissage. Beaucoup de pleurs, beaucoup de doutes, beaucoup de trucs comme ça, mais tellement de bonheur en soi. Donc au final, c'est du kiff, quoi qu'il arrive. Et puis bon, j'apprends à découvrir mon fils aussi, il a seulement 2 jours. Mais c'est, voilà, ça m'a chamboulé complètement, complètement, complètement. D'autant que j'ai pris un coup, enfin mon corps a pris un coup par rapport à cet accouchement qui a été vraiment compliqué. Alors je vais pas vous l'expliquer comme ça en 3 mots, parce que ça a été déjà très long. Cette expérience en vous racontant du coup comment ça s'est passé. Et là, si vous voulez, la phase de ce soir, ben, c'est par rapport à l'allaitement. Je vous ai montré ce que j'utilisais, qui est censé du coup apaiser. J'ai aussi la chance d'avoir des aides-soignantes qui sont au top, franchement, qui m'expliquent tout bien, qui m'apprennent plein de choses, qui sont de très 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 bons conseils. Mais malheureusement, ben, la douleur, c'est la douleur. Donc j'ai oublié de passer par là et ça fait très 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 mal. Alors quand je vois mon fils comme ça tété, je me dis, mais. Il est trop beau, j'ai envie de le croquer. C'est la motivation que j'ai. Mais sinon, c'est. Ah ouais, ça fait mal. Enfin bref, voilà, donc j'ai tellement de choses à vous raconter. De toute façon, là, je trouve un petit moment, je vous jure, parce qu'il vient de s'endormir. Et je vais essayer de dormir aussi un petit peu, parce qu'avec Noé, on ne tient plus. On est vraiment 2 zombies. Mais voilà, dès que je trouve un peu plus de temps pour me poser sur Snap, etc., je vous raconterai un petit peu plus. En tout cas, merci pour tous vos messages. Merci à tous et toutes. Et je suis aussi très contente que le prénom de votre fils vous plaise. Ça a été notre coup de cœur depuis le début. Ça aussi, je vous raconterai. Il y a plein de petites choses du coup maintenant que je pourrais vous expliquer avec plus de détails et de précision. Mais voilà. Bon, en tout cas, passez une bonne nuit. Et faire des enfants, c'est la vie. C'est incroyable.